je suis chercheur, je suis, mon statut est de professeur université et chercheur. Après, psychologiquement, je suis effectivement quelqu'un de passionné. Cette passion nous amène à rechercher des objets, des situations, et non pas forcément à découvrir. Le mot de découverte a plus à voir avec la chasse au trésor, et, alors que là, quand on va chercher quelque chose, on ne sait pas forcément ce que l'on va chercher, mais on a une thématique. Puis c'est pas forcément le trésor que l'on recherche. En tout cas, notre trésor n'est pas forcément celui de l'imaginaire collectif. Quand on recule dans le temps, on perd la mémoire de tout. On perd la mémoire de l'usage, parce qu'il y a des objets dont la forme extérieure ne nous rappelle strictement rien. Et puis, toute la part du symbolique ou de la fonction, je dirais, que l'artisan a mis dans l'objet, elle est impossible à rechercher. On ne retrouvera jamais la totalité de la mémoire. C'est cet élément de frustration, d'impossibilité de rechercher cette mémoire qui nous pousse à faire de plus en plus de découvertes. Mais bon, il faut aussi faire attention, parce que ce n'est pas parce qu'on accumule des découvertes qu'on constitue un savoir. Un objet, il a une histoire qui est longue, il est issu d'une matière première, donc voilà, c'est un bloc, et ce bloc, cette matière première, elle est dans la nature. Donc elle va se présenter sous des formes différentes, soit enterrée, soit semi-enterrée, sous des formes de bonne qualité, de mauvaise qualité, altérées par le gel. Et donc à partir de là, ça suppose que l'homme de la préhistoire ait une déjà connaissance de son terroir, de son territoire. Et il va gérer, donc il y a une gestion de la matière première possible. La première étape, c'est ça, l'objet nous ramène à un territoire. La deuxième grande étape, c'est la production. C'est-à-dire que cet objet résulte effectivement de connaissances et de savoir-faire pour produire l'objet et un autre registre de connaissances et de savoir-faire pour utiliser et faire fonctionner l'objet. Donc on va avoir deux grandes étapes. La première est de savoir comment cet objet a été fait. Et la deuxième étape, c'est pourquoi cet objet a été fait. Comment on va percevoir cet objet à travers nos propres sens ? Les yeux, essentiellement, on peut tester les tranchants, on peut la toucher, mais la difficulté, c'est comme on va d'abord travailler avec nos yeux, donc la sensation, elle est visuelle. Et imaginez-vous cet objet-là que vous percevez comme ça, vous n'avez aucun critère technique qui vous permette de l'accrocher, de l'interroger, et donc vous allez automatiquement l'aborder par la forme. Donc la sensation, la perception que vous allez en avoir d'un objet sans mémoire va automatiquement être biaisée dès le départ si vous n'avez pas une méthode d'appréhension beaucoup plus pertinente que celle-ci. Des objets peuvent changer de forme tout en gardant leur propre structure. Et donc on se rend compte que la perception d'un objet nécessite des étapes de perception qui nécessitent des outils très spécifiques. Là, je vais voir, il y a un certain nombre de négatifs d'enlèvement. Il y a des gestes, il y a des traces de gestes sur ces objets. Et donc je vais essayer d'observer la quantité de traces d'objets. Je vais essayer de voir ces négatifs proviennent de cette direction ou de cette direction ou de cette direction. Je vais regarder l'ordre des enlèvements les uns par rapport aux autres. Et puis, je vais regarder les conséquences techniques, les traces que laisse cet objet sur la matière. Est-ce une surface plane, une surface convexe, une surface concave? Et puis, je vais regarder si l'ensemble des enlèvements forme une ligne faite par des enlèvements concaves. Donc, je vais chercher la logique technique et je vais me rendre compte qu'il y a un ordre technique. J'arrive à décomposer les éléments et les règles de fonctionnement des éléments les uns par rapport aux autres. La première modalité est celle de produire des objets par façonnage, c'est-à-dire c'est la sculpture.
Voilà. C'est l'idée de la sculpture. On prend l'objet et un bloc, et puis on a l'idée de ce que l'on veut faire. Par exemple, ces objets-là, on a l'idée de ce que l'on veut faire, et on va travailler effectivement l'objet jusqu'à ce que l'on obtienne la forme et les critères techniques recherchés. Parallèlement à ça, on a une autre voie qui est celle du débitage. Alors là, c'est l'inverse. C'est vous prenez un bloc et vous allez enlever des éclats dans ce bloc, et c'est les éclats que vous recherchez. C'est pas le bloc. Le bloc, lui, va devenir le déchet de taille. Et donc les éclats que vous allez obtenir seront soit les outils, soit les futurs outils. Les premiers outils qui ont été fabriqués par l'homme sont issus de cette technique, c'est-à-dire de la fracturation d'un bloc et de la récupération des éclats qui étaient issus de ce bloc, avec des tranchants. Voilà, il y avait un certain côté aléatoire, mais il y avait toujours des tranchants. Les formes étaient très aléatoires, les tranchants étaient toujours les mêmes. Et donc l'histoire de la technique a commencé par ça. Donc l'histoire a commencé par la recherche de tranchants, et pas la recherche de formes globales, de d'autres critères de préhension. Quelque part, ça suffisait. Et les modalités techniques de cette époque-là ne permettaient pas d'aller à un objet porteur de plus de contraintes. Et c'est là où on voit arriver le biface, le façonnage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certainement, cette nécessité, cette impossibilité avec les connaissances liées au débitage de l'époque, ont fait que si on voulait accéder à des objets qui présentaient des critères de prédétermination plus importants, on passe par le façonnage. Et donc le façonnage est devenu comme une espèce de vague. C'était la solution fashion, je dirais. C'était, voilà, c'était ce qu'il fallait faire. C'était la modernité. C'était absolument extraordinaire. Le passage s'est fait du façonnage à la production très spécifique d'éclats que l'on va appeler Levallois, parce qu'on les a découverts à Levallois-Perret. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? C'est que les gars, ils prennent un bloc, ils préparent le bloc, ils préparent le bloc d'une certaine façon, et à un moment donné, ils vont décider, là, je vais sortir 2, 3, 4 éclats, et les éclats qu'ils produisent ont la morphologie et les caractères techniques fonctionnels du futur outil. C'est par exemple cet objet ici, qu'on appellera un éclat levallois, qui présente une régularité dans sa longueur, avec une régularité de son épaisseur, une légère convexité ici. En section, il est en général relativement équilibré, et avec une partie de l'impact qui est un peu plus marquée, mais qu'on peut enlever. Et donc, cet objet-là est une matrice qui va servir à fabriquer plusieurs types d'outils. C'est une idée absolument géniale, parce que ça veut dire que la structure matricielle sera systématiquement identique. Donc si vous introduisez la notion d'emmanchement, ça veut dire qu'en fin de compte, on a fabriqué des objets qui vont systématiquement s'emmancher. Ce n'est pas le manche qui va s'adapter à l'objet, c'est qu'on a normalisé les parties préhensiles pour qu'ils s'adaptent par rapport aux manches. Et toutes les analyses tracéologiques montrent qu'à partir de ce moment-là, la plupart des objets étaient emmanchés. Ça a été un saut qualitatif énorme, parce qu'en plus, c'est ce concept qui donc va permettre une assez grande diversité de formes. Ce chemin-là est typiquement occidental. Il provient effectivement du nord de l'Europe, vers 400 000 ans. Voilà un grand biface, et encore ce n'est pas le plus grand qui existe. Et regardez la taille. Donc il y a une microlithisation, une miniaturisation des outils.
Et l'une de ces étapes les plus caractéristiques, ça va être donc dans ce qu'on appellera l'épipaléolithique, qui va arriver aux alentours de 17, 18 ou 20 000 ans, ça dépend l'endroit du bassin méditerranéen. Et donc on va réduire l'objet. Et si je vous fais appel à vos connaissances actuelles, vous prenez l'ordinateur portable, c'est quoi? Il y a 3 millions d'années, quand on a fabriqué un objet, dans le cadre d'une lignée, cette lignée va évoluer et elle va aller vers la microlithisation. Et puis 800 000 ans plus tard, on invente le bifacial. Le bifacial, ils sont comme ça, puis on va aller vers une miniaturisation. Puis on va inventer le Levallois, on va aller vers une miniaturisation. Puis inventer les lames, on va aller vers une miniaturisation. Puis on va inventer la télévision, on va aller vers une miniaturisation. Donc le phénomène de miniaturisation, par exemple, est un phénomène cyclique qui signale la fin d'évolution d'un objet, d'une lignée d'objets. Et donc en préhistoire, on a ces cyclicités. On va bien montrer, dans ce musée, on a bien des machines, on a des boucliers, on a des voitures, voilà. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'objets de signes. On a des masques, on a des parures, on a des sépultures, on a des momies. Donc, en fin de compte, ça pose le problème de la matérialité de l'objet. La matérialité d'un objet, c'est vulgaire. Ça ne se montre pas. C'est d'une évidence. Montrer un couteau qui coupe quelque part, c'est pas intéressant. On va montrer l'objet de signe, le signe de l'objet, on va pas montrer l'usage. Donc, comme si c'était de la vulgarité. Le XXe siècle, où on a essayé de mettre un peu d'ordre, donc on a fait des catalogues, comme les paléontologistes, on mettait des objets en montrant qu'il y a une lignée entre les objets. Les gens n'y voyaient que dalle, si ce n'est, on mettait des beaux objets, donc il y avait un rapport esthétique. Et puis c'est fini. Comme on n'a pas eu de réflexion sur ce que c'était un objet, pourquoi on le présentait comme ça, donc il n'y a pas eu de travail de fait. Le musée des Confluences, j'ai été, quand ils m'ont contacté, extrêmement surpris de voir qu'ils étaient intéressés à une réflexion, à une perception de l'objet complètement différente. Et donc on a travaillé ensemble, effectivement, sur cela. Bon, maintenant, il y a effectivement beaucoup de choses à dire. Disons que c'était une première tentative, et dans le cadre de cette première tentative, il y a des réussites. L'histoire des temps anciens est devenue une histoire anthropologique, c'est-à-dire c'est une histoire d'ADN, c'est une histoire de caractère anatomique. On va parler de l'évolution de l'homme. L'homme est vu à travers sa biologie, dans le cadre évolutif, et est vu à travers sa culture, dans le cadre du contemporain. Alors la grosse question, c'est mais que s'est-il passé sur un plan culturel avant que nous soyons nous? Depuis les années 75, nous sommes dans une histoire anthropologique. C'est-à-dire que c'est l'histoire de l'homme biologique qui est faite. De plus, avec les découvertes génétiques, on est maintenant dans la génétique pure. Imaginez-vous Hamlet regardant le crâne et qui lui pose la question: est-ce que tu es ou est-ce que tu n'es pas? Moi, je poserais la question: qu'est-ce que je peux dire de ton crâne et qu'est-ce que je peux savoir de ce qu'il y a à l'intérieur?